Généralement, les artistes, c'est souvent des égos. Voilà, faut gérer les égos en studio. Là, bizarrement, je sais pas ce qu'ils avaient pris, mais 60 artistes sont venus dans ce studio de la Grande Armée, magnifique. 60 artistes, je me disais, mon Dieu, à chaque fois, ils ouvraient la porte, oh non, encore un qui arrive, encore un qui arrive. J'étais pris par le temps. C'était impressionnant d'avoir tous ces artistes. C'était super sympa. Les gens étaient vraiment, vraiment cool. Je m'attendais justement à avoir passé une journée, 3 jours, on a fait ça en 3 jours, 3 jours de prise. Je m'attendais à avoir évidemment des égos terribles. Ils étaient super cool. Les jeunes comme les moins jeunes, les connus comme les moins connus. Pas une seule personne m'a emmerdé. Voilà. Et ça, vraiment, je garde un souvenir de cet enregistrement. Génial, voilà, c'était beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de stress parce que j'avais peur de ne pas y arriver. J'étais pris par le temps tout le temps. C'est-à-dire un artiste arrivé, chanter une phrase, un deuxième, c'était à la queue leu leu. Donc il fallait être très, très. Fallait être sûr de soi, alors quelquefois je ne l'étais pas. Il y a une seule artiste un peu snob qui un matin m'a dit mais c'est pas possible, le texte, qu'est-ce que c'est que ce texte? Alors moi j'étais tout content, on était comme des fous, là, on avait enregistré 20 chanteurs la veille, et il me dit mais je veux pas l'aumône, mais ils demandent l'aumône, ils veulent ça, les gens qui meurent de faim en Afrique. Et je dis mais allô quoi, il y a un problème. C'est une façon de parler, c'est une manière poétique de raconter la misère des gens. C'est aussi de proposer quelque chose d'un profil bas, d'amener beaucoup plus de tendresse dans le texte. Ah non, c'est pas ça. Alors j'étais bon. Alors soit on sort les fusils, soit on la sort du studio. Enfin bon, ça a pris 5 minutes. Finalement, elle a compris. Au moment donné, je lui dis, tu sais quoi, on va appeler les auteurs. Je vais les appeler tout de suite. Comme ça, ça va être fait. Allez hop. J'appelle. Et puis elle s'est calmée, et finalement elle a chanté, tout s'est très bien passé.